Yo tout le monde, c'est SoFanLuc, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends et je vais vous montrer comment up tous vos persos au level 5000 qui est à l'heure actuelle le niveau le plus haut pour vos personnages et le plus rapidement possible. Et je tiens à préciser, il ne s'agit pas de mettre des équipements ou d'envoyer vos persos en entraînement avec les petites clochettes qui effectivement up rapidement vos persos. Non, non, ce n'est pas ça. C'est bien plus rentable que cela. Je vais vous montrer pour que ce soit bien clair. Alors certains connaissent déjà la petite astuce, mais d'autres et surtout beaucoup de nouveaux joueurs que je vois sur les réseaux sociaux se pose la question, mais comment vous faites pour avoir autant de persos au level 5000? Eh bien, vous allez le voir, c'est très simple. Donc ici, dans personnages, vous voyez, toute ma team saga de film est au level 5000. Ma deuxième team régénération, ils sont tous au level 5000. Et là, certains vont se dire, mais c'est pas possible, comment il fait? Il les a où ces clochettes? Je le rappelle, ça ne sert à rien d'envoyer vos persos en entraînement. On s'en fout des clochettes. Et là, tous mes persos pour la team divin sont au level 5000, sauf Beerus. Vous voyez là, Beerus, il est au 3842. Comment faire pour passer en 5000? Donc, déjà, pour les novices, pour les tout nouveaux, déjà, premièrement, effectivement, on peut aller en entraînement. En entraînement, vous avez les clochettes. Les clochettes or, forcément, là, vous montez direct au level 5000. Ou alors, vous avez également les poissons ou par exemple la salle de gravité G x 500. Hop, vous faites ça. Du coup, vous mettez Beerus et là, il va passer à 4654. Donc là, je le fais. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Bien sûr que ça, on sait le faire. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Et là, cette fois-ci, comme j'ai pu vous le dire, ça va être bien plus rentable que cela. Je vous déconseille de faire ça en entraînement pour up vos persos au level 5000. Vous allez comprendre pourquoi. Je retourne sur mes persos. Par exemple, ici, j'ai une team métisse. Et vous voyez, j'ai le Trunksu qui est à 4185. Le petit Trunks à 2000. Le petit Goten à 1. Le Gohan à 2000. Le Gohan Futur à 1. Et le Trunksu à 2000 en couleur rouge. Et là, j'ai envie de tous les mettre au level 5000. Comment faire si je ne vais pas en entraînement? Eh bien, regardez, vous avez juste à aller dans l'onglet événements. Une fois que vous allez dans l'onglet événements, vous avez combat bonus super Zeni et également combat bonus super XP. Vous allez dessus. Donc regardez bien, je vais faire combattre. Hop, je fais oui. Donc ça me prend 2 barres d'énergie. Je vais prendre par exemple le Trunksu qui est à 4185, le deuxième qui est à 2000 et le petit Goten qui est à 1. Et regardez bien, à la fin du combat, comment ma team va up. Alors ça, beaucoup le connaissent, voilà, ils se disent, mais oui, mais c'est super long et tout. Non, 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 c'est pas super long. Alors après, il y en a, ils vont me dire, mais une fois que tu as utilisé ton énergie, comment tu vas faire? Vous allez voir. Vous allez voir que, en quelques minutes, je peux aller au level 5000 pour mes persos. Donc voilà, là, on va vite s'en occuper, voilà, on va vite le bousiller. Hop, ça y est, il est mort. Ça m'a pris 10 secondes. 10 secondes, le temps de lancer la partie, etc. Maintenant, temps de chargement, on va dire 15 secondes. Voilà, hop, réussi. Et là, regardez. 323 000 j'ai pris et 161 500 sur certains et en plus je gagne des équipements. Donc là maintenant on va voir en 20 secondes combien mes persos ont pris. Et bien vous voyez, Trunksu il est passé à 4262, le petit Trunks qui était à 2000 il est passé à 2155, le Goten qui était à 1 il est passé à 803 et ensuite les autres que je n'ai pas pris pour aller faire le combat, vous voyez, ils ont quand même up 2079, 568 pour le Gohan Future qui était à 1 et 2079 pour le Trunksu qui était à 2000. Là vous voyez en haut j'ai encore des barres d'énergie donc je vais toutes les utiliser. Vous allez cramer toutes vos barres d'énergie jusqu'à ne plus en avoir. À présent, une fois que vous avez utilisé vos 10 barres d'énergie, ce qui représente 5 combats contre le Cyberman. Regardez déjà mon Trunksu, il est bientôt au 5000, il a 4555. Et par exemple, le Goten qui n'avait que 1, il avait 1 de level, il est à 1797 en ayant fait 5 combats qui prennent quelques secondes. Ça m'a pris 2 minutes pour cramer mes 10 barres d'énergie. Maintenant, vous vous dites, mais il n'y en a plus. Comment faire pour en avoir? Eh bien, si vous avez farmé les tickets, regardez bien, vous faites combattre. Et là, soit vous pouvez remettre de l'énergie, donc des barres d'énergie, avec votre réserve. Ou alors, comme je vous ai dit, si vous avez les tickets, vous faites récupérer. Et là, vous voyez, j'ai plein, plein de tickets. Parce que j'ai farmé. Vous avez les missions, etc. à faire.
Hop, par exemple, je vais prendre cela. J'en rajoute 2 fois 5, c'est-à-dire 10 barres d'énergie. Je fais OK. Hop, c'est reparti. On peut recombattre. Et let's go. Et ainsi de suite, on continue comme ça jusqu'à temps d'avoir les 5000. Donc, au mieux, une team de 6 personnages, si vous avez un peu de temps, ça va vous prendre à peu près 40-45 minutes. Les 6 persos seront au level 5000. Juste en faisant cette technique. Et il n'y a pas besoin de les emmener du coup en entraînement ou quoi. C'est super rapide, regardez, en quelques secondes, une attaque, le Cyberman, il est mort. Ça me prend 10 à 15 secondes pour le fumer. Vous répétez ça, vous répétez. Voilà, regardez, il y a un bonus, 646 000 plus les 323 000 de bonus. Du coup, on arrive vite aux 5 000. Donc voilà, certains connaissaient déjà peut-être l'astuce, mais d'autres non. Et là, vous voyez, 4 625, je suis bientôt aux 5 000 avec le Trunks. Et ça, les gars, c'est rentable. C'est rentable, il n'y a pas besoin de dépenser d'équipement ou quoi que ce soit. Au mieux, vous dépensez des tickets qui sont gratuits, les tickets. Vaut mieux garder, par exemple, vos clochettes en or. Alors, la petite erreur, hein, forcément. En or, voilà, les petites clochettes comme ça qui montent vite au level 5000. Gardez-les pour lui, là. Lui, vous le voyez, là. Lui, qui est à côté de moi. Le Goku SSJ4 qui va arriver à partir du 21 décembre. Eh bien, gardez vos équipements, enfin, vos entraînements, clochettes, etc. pour les gros persos, pour les up vite fait, bien fait, voilà, que ce soit carré. Et si vous n'en avez pas, eh bien, faites ces événements-là. Ils sont gratuits et ça vous permettra d'avoir tous vos persos au level 5000. Voilà les amis, je pense que beaucoup de nouveaux, beaucoup de novices qui débarquent sur le jeu, je pense que ça peut les aider. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu si c'est le cas. Mettez-moi en commentaire, voilà, un petit merci ou quoi, si jamais vous ne connaissiez pas la petite astuce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.